retrouvons aujourd'hui pour non pas une, mais bien deux inaugurations. Et quelle joie de vous recevoir! Nous allons débuter avec l'inauguration de l'ancienne pisciculture, le site sur lequel vous vous tenez actuellement. Et ensuite, nous passerons à l'inauguration de Sentier des Cimes Laurentides. Sans plus tarder, je passe la parole à Mme Nancy Pelletier pour un rappel des faits historiques et importants, en fait, de l'ancienne pisciculture. Alors, nous y sommes enfin. Un projet échelonné sur 5 ans. Une course contre la montre. Depuis les derniers mois, depuis les derniers jours, et je vous dirais même depuis les dernières heures, parce qu'ils sont en train, justement, de faire un peu de ménage à l'arrière. Donc, nous sommes fiers de vous présenter un panorama à la hauteur des idées et des aspirations de la MRC des Laurentides. Ce site, je vais m'envelopper. Donc, ce site qu'est l'ancienne pisciculture, c'est près de 90 ans d'histoire. Et il attendait patiemment qu'on lui donne un nouveau souffle. Et surtout qu'on ramène des gens à sa rencontre. Pour l'apprécier à sa plus juste valeur, il vaut la peine de prendre un 5 minutes pour un petit historique. C'est en 1933 que tout débute, lors de la découverte fortuite d'un ruisseau ayant un bon débit d'eau très froide qui borde la route à Morrison. Des travaux s'amorcent dès 1938, par une petite entreprise de pisciculture et des bâtiments y sont construits. On y aménage des bassins, des truites mouchetées, ainsi qu'un réseau souterrain complexe de conduites reliées à un ruisseau. Sa principale mission est l'élevage des poissons pour ensemencer les lacs dévastés par la surpêche. Saviez-vous que pour ensemencer, des avions survolaient les lacs des Laurentides et larguait les poissons. En ces temps de crise économique mondiale, la construction de la pisciculture dans les années 30 s'avéra un bienfait incalculable pour la municipalité de Saint-Faustin et bien sûr pour toute la région. On agrandit, on y ajoute des réservoirs et on y construit un important barrage aux abords de la voie ferrée qui aujourd'hui prend place, pour ceux qui connaissent bien, où est l'ancienne emprise du CN, et bien évidemment la piste linéaire, le petit train du Nord. Ce magnifique site attire les gens et devient vite un lieu incontournable pour passer une journée d'été en taquinant la truite dans les bassins et faire un pique-nique en famille. En 1955, on y accueille 100 000 visiteurs. En 1960, 150 000. Un gardien habite sur place et occupera la maison qui est située complètement à l'arrière. Sur mon texte, c'est marqué à droite parce qu'on était censé être dehors. Donc, elle est encore aujourd'hui appelée et mieux connue la maison du gardien. La pisciculture devient également un centre de recherche pour l'Université de Montréal durant quelques années. Malheureusement, le bâtiment principal, donc le majestueux bâtiment, sera complètement détruit par les flammes en 1960. Il sera reconstruit, mais un nouvel incendie se produit en 1978. Il sera à nouveau reconstruit en 1980. Néanmoins, les espoirs se dissipent et tranquillement, on sent que sa fin approche. C'est en 1992 que le gouvernement provincial mettra fin à l'élevage de poissons et procède à la fermeture complète de la pisciculture. Après une période d'abandon, cette terre publique, propriété du gouvernement provincial, connaîtra tour à tour plusieurs gestionnaires. Que ce soit des organismes créés par des citoyens ou la municipalité de Saint-Faustin, les enjeux et les coûts afférents les obligent à se retirer. C'est la MRC de Laurentides qui prendra le flambeau en 2002 et elle devient gestionnaire. Elle souhaite lui rendre ses lettres de noblesse. Elle forme alors un conseil d'administration qui a la ferme volonté de préserver les bâtiments patrimoniaux et surtout conserver l'accès public pour le bénéfice des citoyens. La MRC loue d'abord des parcelles de terre et des locaux. En 2012, un entrepreneur visionnaire et passionné
du nom de Gérald Le Gall, y installe ses pénates avec le souhait de faire rayonner les produits forestiers. C'est alors qu'une entreprise locale prend son essor du nom de Gourmet Sauvage. Gérald fera la cueillette ici même, sur la terre, transforme les produits forestiers et fait connaître la gastronomie boréale. Au fil des années, d'autres locataires viendront tour à tour, mais les installations sont peu adaptées et surtout, elles sont désuètes et l'entretien beaucoup trop coûteux. Ce qui ne permet plus d'en assurer la pérennité. En 2016, le conseil d'administration composé de M. Denis Chalifoux, Bernard Lapointe, Pierre Poirier, Ronald Provost, tous d'anciens maires, ainsi que Gérald Le Gall, qui était locataire du site, souhaitent que la MRC propose un projet porteur et rentable. Plusieurs projets sont analysés, mais aucun ne respecte la mission que s'est donnée le CA et la MRC. Ne pas désincarner le site en préservant son environnement et son patrimoine, mais assez attractif pour générer des revenus essentiels à sa mise aux normes. Durant 15 ans, aucun projet ne satisfait vraiment. L'heure a pourtant sonné avant d'envisager le pire, délaisser à nouveau le site et peut-être le voir se privatiser. Soudain, début 2017, un souvenir de voyage effectué en Allemagne que Nicolas Joly me partage. Sa fille Léa, bonjour Léa, qui est ici aujourd'hui, conserve un souvenir inestimable de l'activité Tweetum en Allemagne. Plus on en parle et plus on s'anime. Eureka! Ou devrais-je dire E-A-K? Enfin, il nous semble avoir trouvé le projet. On est enthousiaste, très convaincu et semble-t-il assez convaincant. Une présentation détaillée, des analyses financières et le CA nous dit oui. Les débuts s'annoncent prometteurs, mais ce projet sera parsemé d'embûches durant les 5 ans de sa mise en œuvre. C'est en septembre 2017 que EAK, propriétaire allemand de plusieurs tours en Europe, vient nous rendre visite au Québec. Les valeurs environnementales, le respect du site et la facilité de transiger avec cette entreprise, c'est le coup de foudre mutuel et un partenariat hors du commun se crée entre la MRC et EAK Sentier des Cimes. Heureusement, car il nous fallait tout de même convaincre cette entreprise d'investir 18 millions de dollars sur une terre appartenant tout de même au gouvernement. En janvier 2020, un bail de 20 ans est signé avec EAK Sentier des Cimes. Ce nouveau souffle incite également Gourmet Sauvage à s'y installer à long terme. 3 mois plus tard, la pandémie. Un projet comme celui-ci depuis l'Allemagne, avec toutes les restrictions, était quasi impossible. On retient notre souffle. Pendant ce temps, en 2021, Gourmet Sauvage signe lui aussi un bail de 20 ans et s'affaire à rénover le bâtiment qu'il occupe actuellement au coût de 800 000 $. 2021, c'est aussi les élections municipales et, les nouveaux membres du conseil d'administration, les maires Marc Lheureux, André Ivguy, Jean-Guy Galipeau et Jean-Simon Levert reprendront le flambeau pour soutenir le projet. La MRC, composée de 20 villes et municipalités, y injectera 4,3 millions de $. Elle débute enfin les travaux de réfection des bâtiments et la mise à niveau du site et des infrastructures, soit l'extérieur du bâtiment principal, qui était l'incubateur de poissons, tout en respectant les matériaux et les styles de l'époque. Nous avons aussi porté une attention aux détails. Vous remarquerez que les poissons intégrés aux barrières et aux garde-corps, nous les avons préservés ceux d'origine et avons pris soin de les reproduire aux nouvelles balustrades. La reconstruction de tous les murets de pierre de l'époque sur l'ensemble du site. Je vous mets au défi de trouver des maçons en temps de pandémie. La décontamination et la rénovation de la maison du gardien, toujours celle à l'arrière. La préservation d'un bâtiment d'origine situé à notre gauche, qui était le congélateur de l'époque.
La restauration de certains bassins d'eau et la mise en place d'un champ d'épuration, l'aménagement paysager, la construction des stationnements, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L'intégration des arts à l'architecture, donc une œuvre d'art d'un artiste de la région, sera installée à l'automne prochain. La fiche d'accueil fraîchement installée à l'entrée du site conserve le nom de l'ancienne pisciculture. Le graphisme fait le pont entre le passé et le présent. Les couleurs sont celles de l'omble de fontaine, qui était le poisson emblématique de la pisciculture depuis sa création. Clin d'œil tout spécial à notre agente de communication, Marie-Mé Pagé, puisqu'elle en est la conceptrice. Nous pourrions écrire un livre sur toutes les aventures et mésaventures et les 15 ans de recherche, de patience et durant les 5 ans où on a avancé d'un pas et reculé de deux, dont et 2 ans de pandémie. Avec le recul, une citation me vient à l'esprit et c'est celle de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Prochain défi dans 20 ans, soit en 2042. En attendant, ici même, une nouvelle page d'histoire peut commencer à s'écrire. Bonne visite tout le monde. Donc, ben, si vous êtes ici ce soir pour l'inauguration du premier sentier des cimes de la compagnie AAK, c'est parce que des enfants ont décidé de jouer ensemble dans un camping au Delaware en 2013. Donc, c'est par nos enfants que ma famille a fait la connaissance d'une famille allemande-française. Un an plus tard, en 2014, on a visité cette famille, représentée ici par Elisa. Le reste de la famille rejoint dans deux jours, on va être bien, bien heureux. Donc, en République tchèque, et qui nous ont amené voir un sentier des cimes. Je ne savais pas trop ce que j'allais voir à l'époque. On embarque sur les passerelles. Quand j'étais arrivé devant la tour en bois, littéralement, mâchoire qui décroche, je me retourne vers mon ami Eckert à ce moment-là, puis je dis, c'est complètement fou. Comment ça se fait qu'on n'a pas ça ici? Comment ça se fait qu'on n'a pas ça au Canada? Donc, quelques années plus tard, en 2016, à la recherche d'idées pour trouver une nouvelle vocation pour la pisciculture, c'est pendant un souper avec ma famille qu'on lance des idées. Et c'est ma fille Léa, comme Nancy a mentionné, qui a eu l'idée en disant « Papa, le cuiteur! » Aussitôt qu'elle a dit ces mots-là, ça a été une illumination pour moi. C'était le projet. Donc, je ne me doutais pas, par contre, à l'époque, que ma fille m'avait trouvé autant de travail. je me souvenais que mon ami allemand, Eckert, m'avait dit qu'il était allé à la même école primaire que l'architecte de la compagnie AAK, Joseph Stroger. C'était donc ma porte d'entrée pour la mise en contact avec Burke. Près de 5 ans plus tard, nous voici donc à inaugurer le premier sentier des cimes au Canada. Comme le mentionnait Nancy d'ailleurs, ce fut un défi à tous les égards et de tous les instants durant 5 ans. Mais nous sommes d'autant plus fiers d'avoir persévéré. Une nouvelle page d'histoire s'inscrit aujourd'hui. Un joyau public et des bâtiments patrimoniaux préservés aux abords du parc linéaire du Petit Train du Nord qui permettra à la population famille, aux cyclistes, aux visiteurs de s'y promener ou de pique-niquer gratuitement. Un site qui accueille aussi deux locataires partenaires de prestige qui, de leur côté, offrent des produits et des activités 4 saisons uniques, recherchées et attendues. Sentier des Cimes Laurentides et Gourmet Sauvage. Sans aucun doute, nous devenons un attrait incontournable dans notre région. L'alliance avec nos locataires, c'est un modèle. Ça assure les retombées nécessaires pour l'entretien futur des infrastructures du site, sans que ce soit à la charge des citoyens. Et que du même coup, ils puissent conserver l'accès public de cet espace patrimonial et de nature exceptionnelle. Ceci a nécessité 4,3 millions d'investissements de la part de la MRC des Laurentides. En plus des équipes complètes attitrées aux travaux de restauration de bâtiments, d'implantation d'infrastructures et de paysagement, Nancy, Jérémy, Frédéric,
aux équipes respectives, à toutes vos équipes respectives, bravo. Ceci a permis de faire travailler une panoplie de professionnels et d'entreprises qui viennent toutes de notre région. Et je tiens à souligner leur travail, leur collaboration exceptionnelle afin de réaliser ce chantier dans des conditions laborieuses et des délais restreints. Ce magnifique site restera public pendant au moins les 20 prochaines années. Avec ce partenariat, la MRC des Laurentides, par sa vision, son audace et sa persévérance, est fière d'avoir rendu à ce joyeux patrimonial toute la gloire qu'il mérite. En effet, juste pour le Sentier des Cimes, on y attend plus de 400 000 visiteurs annuellement. Et j'en prédis davantage. Restez à l'affût, d'autres phases viendront compléter le site. Vous êtes donc ici aujourd'hui comme partenaire privilégié et j'espère que vous apprécierez votre expérience. Vous allez le constater, tout n'est pas encore terminé, mais nous tenions à vous le présenter avant l'ouverture au public. Nous comptons sur vous pour le promouvoir. Il s'agit d'un rare lieu public de notre région rempli d'histoire. Maintenant, il s'est refait une beauté. Il n'attend plus que la visite. C'est donc avec grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui sur le premier sentier de cime québécoise. Pour un tel projet, il ne nous fallait pas seulement le bon endroit, mais aussi le bon partenaire. Nous les avons trouvés ici avec la NACE de Laurentides, avec Nancy, Marc et toutes les municipalités. Ensemble, nous avons réussi, au cours de ces 5 années, à créer une nouvelle entreprise canadienne et à réaliser ce projet. Un grand merci pour votre soutien. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont participé à la construction de Sentier des Cimes et qui nous ont permis de réaliser cette construction. Merci bien. Bonjour tout le monde. Donc, les salutations d'usage ayant été faites, je vais tout d'abord vous dire que ça fait longtemps, en effet, que nous attendions cette belle inauguration et je félicite tous ceux et celles qui y ont travaillé, évidemment. Cette magnifique promenade surélevée, avec son parcours en hauteur aménagé au cœur de la forêt laurentienne, le Sentier des Cimes, de l'entreprise allemande EACA, deviendra, moi aussi, j'en suis certaine, une importante attraction touristique de la région. Eh bien, nous avions déjà plusieurs sentiers en forêt, comme vous le savez, dans notre magnifique région, mais là, franchement, ce projet de l'entreprise EACA vient diversifier notre offre de sentiers et je tiens à remercier et à féliciter M. Nicolas Joly et M. Byrne Bayer-Koller pour leur projet novateur et surtout pour leur choix de s'établir en Mont-Blanc, dans nos Laurentides. Merci. Les Canadiens, les touristes internationaux seront heureux et nombreux à venir essayer ce sentier des cimes unique en son genre. Merci d'avoir élu demeure chez nous et bienvenue. Nous savons tous que l'économie de notre région repose à plus de 50% sur le secteur touristique, étant situé de près de la montagne de ski Mont-Tremblant, la 3e destination touristique au Québec. Avec ce tout nouveau sentier, eh bien, nous venons diversifier notre offre de sentiers de plein air, une activité de plus en plus prisée par les citoyens et les visiteurs. Ce projet est le fruit d'une collaboration soutenue entre plusieurs intervenants, l'entreprise privée, bien sûr, mais aussi la municipalité de Mont-Blanc et la municipalité régionale de Comté des Laurentides et le gouvernement du Québec. Bravo à tous les artisans et partenaires du projet. C'est vrai, je profite de l'occasion pour saluer l'implication de la municipalité de Mont-Blanc dans la réfection de la route de la pisciculture, car j'ai travaillé très fort avec le cabinet de M. Bonnardel afin que le chemin de la pisciculture soit rénové à temps, et c'est ce que nous avons fait. Donc, je ne parlerai pas des coûts, mais ça a été un investissement important, puis on en est fiers. Je tiens aussi à remercier et à féliciter particulièrement la MRC des Laurentides et plus particulièrement le préfet, M. Marc Lheureux, et la directrice générale, Nancy Pelletier, et toute son équipe, qui ont présenté leur projet Espace Nature, dans le cadre d'une consultation du gouvernement du Québec vers janvier 2020,
et ça servait à relancer l'économie régionale. C'est vrai qu'on a eu un 4 ans pas facile, et puis dans ce contexte-là, ma collègue Marie-Ève Proulx avait lancé cette consultation. Alors, le projet de la MRC, qui consiste à développer un circuit touristique, permettra de favoriser des infrastructures patrimoniales, justement comme le site patrimonial de la pisciculture de Mont-Blanc. Et je tenais à saluer la vision et le dynamisme de la MRC pour leur projet d'espace nature. On n'a pas fini la collaboration, ce n'est qu'un début, j'en suis certaine. Je suis particulièrement heureuse et fière aussi parce que le projet de la MRC, tout comme celui de l'entreprise EAK, permet de mettre en valeur ce site patrimonial exceptionnel, et ça permet aussi de pérenniser ces espaces au profit de tous les citoyens des Laurentides, de tout le Québec, et ainsi qu'à des générations futures qui vont pouvoir nous succéder. Alors, en terminant, j'invite toute la population des Laurentides et tout le Québec à venir admirer nos montagnes et nos paysages à couper le souffle au moyen de ce nouveau sentier novateur et unique en Amérique du Nord. Je vous remercie de votre attention. 3, 2, 1, c'est ouvert! Oui! Thank you.
les Laurentides. Salut, à tantôt. Madame Jeannette, bonne descente, bonne descente.